ma belle, je sais plus si je peux t'attendre. À la fin du lac, c'est assez festif, avec les petits bouts que j'ai oubliés après show. Mais je me rappelle surtout que quand j'ai commencé à faire de la chanson, à faire de la musique, bien, c'était un peu un rêve de jouer dans ce festival-là. Puis la première fois qu'ils m'avaient engagé, c'était incroyable parce qu'on jouait à Montréal en même temps, une couple d'heures avant, puis on était remontés en autobus, c'était la course folle. On était débarqués chez vous pour faire le show, puis c'était bien important pour nous autres de présenter le spectacle chez nous, dans notre ville. Puis j'en ai comme gardé comme un souvenir un petit peu intouchable. Fait que de revenir à chaque fois, c'était un petit peu revenir à la maison, dans le fond, pour moi. Là. Le spectacle s'appelle La tête en bois, qui est le titre de mon deuxième album. Je fais quand même dans le show des chansons de mon premier album, Les Préliminaires, mais j'en fais quelques nouvelles aussi, quelques exclusivités. Il y a comme deux ou trois chansons qui sont nouvelles, qui vont faire partie probablement du prochain album. Mais disons que tout circule autour de La tête en bois. Et bien sûr, comme je suis trompettiste de formation, puis que j'en mets sur mes albums, bien, c'est sûr et certain qu'il va y avoir une belle part pour la trompette pour ces deux shows-là qui vont être à la fin du lac.